Thank you.
qu'on le mette au fond. Allez les minots, allez les plus beaux, allez, allez, allez l'OM. Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 32e de l'émission aujourd'hui, 32 comme le numéro comporté de Gaël qui ont marqué l'histoire de l'OM de leur empreinte. Et oui, Gaël Givet et Gaël Andonian. Je suis comme d'habitude entouré par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, promis juré ce soir, va augmenter le volume de son micro. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, et ravi de voir qu'à 30 secondes de l'émission, je m'en prends déjà une. C'est une habitude. Et t'as oublié, dans les numéros 32, il y avait Bilal Boutouba aussi. Oui, mais bon, j'ai vu Gaël Givet et Gaël Andonian, je dis, ouais, tiens, okay. C'est pas. D'ailleurs, c'est un tweetos qui nous l'a fait remarquer la semaine dernière, ça va commencer à être compliqué de trouver des numéros de joueurs. On s'approche des numéros difficiles. Là. Quand tu vas chercher les numéros 33, on va rigoler. Hein. Voilà, c'est ça. La semaine prochaine, ça risque d'être compliqué. Tous les jeunes sans contrat. Avec nous également, celui qui a également des soucis de micro puisqu'il doit le couper tous les lundis quand le camion poubelle passe en bas de chez lui. Bonsoir Amin. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et oui, écoute, je vis dans un quartier particulier pour ça, écoute. On dit tout des coulisses, hein, on est comme à touche pas à mon poste, on cache rien aux auditeurs. Et Azir qui nous rejoindra en cours d'émission pour évoquer ça, pour évoquer tous les sujets. Et les amis, on reçoit ce soir un invité, mais surtout un ami et un membre de longue date du groupe des décevants, puisque c'est Mourad Aert qui est à nos côtés ce soir. Salut Mourad. Bonsoir tout le monde, ravi d'être là. Je sais pas si on est comme dans Touche pas à mon poste, c'est là où si je fais un truc gênant, je peux venir m'excuser dans deux jours, c'est ça? Exactement, tu appelles ton avocat, il est le bienvenu pour une prochaine émission, pour venir te défendre en direct, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas Mourad d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous, de prendre de ton temps pour l'émission. On va parler ensemble du projet de documentaire sur lequel tu travailles avec Benjamin Courne et Jean-Charles Debono notamment, qui officient tous deux avec toi chez Football Club de Marseille. On salue tout le monde d'ailleurs à la rédac là-bas. Et un documentaire consacré à l'épopée des Minots, cette équipe de gamins du coin qui a sauvé l'OM de la disparition et l'a même ramené en Division 1 à l'époque, au début des années 80. Et on fête cette année les 40 ans de cette page historique du club et on va remonter dans le temps pour parler de ce moment crucial dans l'histoire de l'OM. Mais avant cela, messieurs, je vous propose de débriefer le match de samedi. La victoire de l'OM 3 buts à 1 à Reims. Le match de vendredi. Pas samedi, vendredi. Comme quoi, on a l'habitude du samedi, mais c'était vendredi. La victoire de l'OM 3 buts à 1 à Reims, avec un doublé de Payet et un but de Milik. Les gars, d'abord, quelques réflexions sur le match. Et c'est une réflexion qui m'est venue suite à un tweet de toi, d'ailleurs, Mourad, où tu disais que tu étais séduit, mais que tu n'arrivais pas encore à être euphorique, compte tenu des incertitudes de l'effectif et de la fin de saison qui, finalement, n'a pas énormément d'enjeux, si ce n'est celle de la 5e place. Est-ce que vous êtes séduit ou pas encore, un petit peu sur la même ligne que Mourad? Est-ce que vous n'êtes pas encore vraiment emballé? D'ailleurs, Mourad, est-ce que tu peux développer cette pensée que tu as eue? Oui, en fait, c'est que c'est un peu bizarre parce que tu as des matchs qui sont plutôt intéressants. Je ne sais pas si... Alors qu'on a perdu Mourad, je crois. Ah, on a perdu Mourad. Mourad. Vous m'entendez plus? On t'entend, c'est bon. Ça a grisillé, on t'a perdu deux secondes, mais bon. Tu peux reprendre, c'est bon. Ah, désolé. c'est ma fibre du cinquième qui n'est pas très bonne. Vas-y, on t'entend, vas-y. Je me suis complètement fait arnaquer avec cette histoire de fibre. Ne prenez pas la fibre chez Red by SFR, c'est pas du tout la fibre. Mais oui, donc en fait, tu vois, tu as des matchs, voilà, ce match à Reims par exemple, ou alors les matchs contre Rennes, contre Brest. En fait, c'est le genre de match, vu les scénarios, si tu joues quelque chose, bah, tu es en feu, tu passes vraiment un bon moment, alors que là, c'est un peu plus symbolique. Moi, j'avais quand même bien apprécié les victoires dans les dernières minutes au Vélodrome. Même là, contre Reims, j'ai apprécié. Mais c'est un petit peu comme tu apprécies une avant-saison, en fait. Voilà, je suis un peu en mode avant-saison. Donc, par exemple, l'avant-saison avec Bielsa, c'était magnifique. Tu gagnes tous tes matchs. Tu te dis, waouh, on va se régaler, etc. Là, je suis un peu comme ça, sauf que c'est de la compétition officielle. Donc, je ne sais pas. C'est un petit peu cette configuration particulière de cette saison. En plus de ça, tu rajoutes
rajoute le fait qu'il n'y ait personne dans les stades, qui est un objectif qui n'est finalement pas très excitant, bon, bah, tu fais 1 plus 1 malgré ce qui est bien sur le terrain. Bon, bah, t'es pas en feu, mais c'est pas mal quand même. Je suis sorti de ma dépression un petit peu, donc c'est déjà pas mal parce que j'étais un peu en dépression. J'étais vraiment dans le groupe des décevants il y a quelques temps, donc c'est bien. J'ai au moins un petit peu de plaisir à regarder l'OM, mais voilà quoi. Je suis loin d'être en feu malgré une prestation qui était plutôt aboutie, on va dire. Que devient le groupe des décevants, messieurs ? Est-ce qu'il a été officiellement démantelé ? Ça, c'est une vraie question. Il faudrait retrouver les créateurs, les instigateurs de ce groupe. Ça dépend. Hein. Ben moi, ils ont largement officié dans cette émission, d'ailleurs. Ben moi, je suis trésorier, moi, de l'association. Et... ah, t'as quitté la confédération des adorateurs de la N2, Denis Magnard, Radonjic, enfin, je sais plus exactement là, c'est quoi. Mais tu sais, moi, je suis comme un député, j'ai plusieurs mandats, t'inquiète, on se débrouille. Ah, on a un peu de temps. Mandats, tu es pour, d'accord. Okay. On a un peu de temps, c'est pas grave. Mais sinon, oui, comme, je suis un peu comme Mourad. Je reste encore un peu sur ma faim, mais j'attends un peu plus les matchs en fin de semaine qu'au début de saison, voire au milieu de saison. Oui, c'est comme a dit Mourad, on est un petit peu sorti de la dépression là. L'OM est un petit peu sorti de sa torpeur. Toi, Ama, tu partages un petit peu cette vision aussi, ou est-ce que déjà tu commences un petit peu à être séduit, à être emballé? Non, moi je suis emballé par Sampaoli, clairement, mais ensuite, oui, pas emballé par la fin de saison. Je l'ai déjà redit, cette fin de saison, pour moi, pardon, c'est surtout pour faire une revue d'effectifs pour la saison prochaine. Donc en vrai, quand on finit 5, 6e ou 7e, je m'en fous, alors que les matchs de Coupe d'Europe me tiennent à cœur. Mais là, il faut vraiment qu'on parte sur une page blanche la saison prochaine. Et de ce fait, le plan comptable m'intéresse vraiment très peu en cette fin de saison, mais comme ça a été souligné précédemment, on reprend enfin du plaisir, tu te surprends de nouveau à serrer le point quand on marque un but, etc. Alors qu'on était tous amorphes et sous Prozac pendant de très longs mois, parce qu'on nous a servi bouillie sur bouillie avec notre ami Villas-Boas. Donc là, on reprend un peu de plaisir. Oui, avant une première journée contre Bastia ou Evian-Tonon. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ce côté-là. Mourad, tu le disais, on en avait parlé dans cette émission, ça ressemblait à un grand laboratoire cette fin de saison. Il y a un petit peu de ça, ouais. Il y a un petit peu ce côté avant-saison où finalement on est plus projeté. Un peu de la place à laquelle on finit. Moi, je suis limite à me dire, putain, il ne faut pas trop qu'on soit cinquième, parce que moi, je veux faire la Coupe des villes de foire, là, l'Europa League conférence. Ah, toi, tu veux faire la conférence, toi? Ah ouais, j'en rêve tous les jours. Moi aussi. Hein. Je rêve de repartir à Sarajevo. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Sarajevo, c'est une ville extraordinaire, vraiment. Et je me dis, putain, un petit match contre le FK Sarajevo et tout, ce serait magnifique. Moi, même en tant que journaliste et amoureux de l'OM, je me dis, putain, si je peux me faire des voyages après le Covid, etc., pour suivre l'OM, aller dans des villes spéciales, etc., putain, j'en rêve, sincèrement. C'est une des choses qui me fait le plus envie actuellement, autant au niveau du Covid, de refaire des voyages dans des endroits bien plus excitants que Madrid ou tu vois les grandes capitales européennes. Bon, c'est un peu tout. Enfin, non, c'est bien. Je vais pas commencer. Je suis pas sorti des Bouches-du-Rhône depuis un an et demi, donc j'ai pas commencé à faire le difficile. Mais voilà, j'aimerais beaucoup allier ce truc, ces voyages, cette vraie Coupe d'Europe, des stades un peu champêtres, et puis avec de l'enjeu, avec potentiellement, tu te dis bon, ok, tu vois, peut-être que nos concurrents ce sera l'AS Rome ou tu auras peut-être un Everton ou un truc comme ça. Tu dis bon, on peut peut-être les battre, on peut peut-être aller gagner la coupe pour la première fois. J'en rêve trop. Donc en fait, ces matchs-là, des fois, je les regarde. Premier, ouais. Bah oui, voilà. Mais est-ce que l'OM serait pas favori de cette coupe d'ailleurs? Ça serait franchement, il y aurait peut-être possibilité que l'OM fasse partie des favoris parce que il y aura très peu de représentants des grands championnats, si je dis pas de bêtises. Il faut voir qui y est, parce qu'il y a quelques semaines, je me souviens qu'il y avait, t'avais Liverpool, Dortmund, t'avais la Roma, tu disais « Bon, ok, on fera que dernier carré, c'est déjà pas mal. » Mais là, ça a changé, parce que Liverpool est un peu remonté au classement. Enfin bref, mais je pense que en tout cas, on aurait une vraie chance de la gagner, parce qu'après, la Coupe de France, tous les ans, on a une vraie chance de la gagner. Et puis, ça fait 1989 qu'on ne l'a pas gagné. Donc, voilà. Exactement. Les gars, sur le match de vendredi, une constante qu'on a observée sur ces précédents matchs également, c'est les entames de rencontres qui sont un peu timides, un peu compliquées. On l'a encore vu ce vendredi.
Est-ce que vous avez une explication? Comment vous analysez ces débuts très timides où finalement l'OM ne prend pas forcément le jeu à son compte, subit même parfois par moment? Comment vous l'analysez ça, les gars? Pas tous en même temps. Ama est en mission poubelle. Mais je sais pas. Très franchement, je sais pas. Je me suis posé également la question. Mais voilà, je suis incapable de répondre pour l'instant. c'est compliqué parce que on a l'impression que l'OM fait des deuxièmes mi-temps vraiment en tambour battant les attaques au pied au plancher et les entames de match sont à l'opposé. Et j'avoue que même moi, j'ai du mal à analyser fait, ça. Voilà, en fait, j'arrive pas à savoir d'un point de vue logique parce que tu peux pas te dire qu'ils savent pas le faire, tu peux pas te dire qu'ils s'adaptent à l'adversaire parce qu'en soi on prend le jeu à notre compte. Mais surtout qu'après le but, à chaque fois que tu encaisses l'ouverture du score, derrière par contre, tout de suite direct. Tu te mets en route. Oui. Donc j'arrive pas à comprendre. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Il y a peut-être une explication, c'est qu'ils apprennent des principes de jeu, ils sont en train d'intérioriser des trucs. Donc peut-être qu'en effet, lorsqu'ils rentrent sur la pelouse, bon, ils sont encore ils sont un peu précautionneux, quoi. Ils se disent, moi, faut que je sois là, faut qu'on fasse bien ça. On connaît le fameux round d'observation de la Ligue 1, donc l'adversaire en face ne se mouille pas trop. Donc, du coup, les deux forces s'annihilent un petit peu, et au moment où l'une commence à attaquer un petit peu, l'autre s'articule un peu organiquement, j'ai envie de dire naturellement. Tu te dis, c'est vrai, c'est ça qu'on doit faire, et puis tu as des espaces qui s'ouvrent, des choses comme ça. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en effet, on va faire que ça pendant au moins un an, on l'espère, hein, mais c'est comparé à Bielsa et Sampaoli. Mais l'OM de Bielsa, en fait, sa marque de fabrique, c'était d'ouvrir le score très tôt et de faire très mal à son adversaire très tôt dans le match. Donc c'est vrai que là, on est sur des configurations complètement différentes. Alors c'est peut-être des coïncidences, hein, si ça se trouve. Ce sont des faits de match qui ne te poussent pas forcément à attaquer tout de suite. On le verra peut-être lors des prochains matchs, mais c'est une curiosité, je trouve, dans cet OM-là qui, pour l'instant, n'entame pas les matchs de la meilleure des manières, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, d'ailleurs. Hein. C'est une constante que je trouve assez surprenante. Complètement, oui. Très franchement, comme l'a dit Mourad, on se dit qu'ils essayent d'appliquer les schémas de passe, travailler à l'entraînement, mais derrière, en fait, ils répètent les mêmes schémas de passe, mais avec plus d'intensité. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de s'en prendre un? Ce que j'espère pas et ce que j'imagine pas d'ailleurs d'un point de vue logique. Mais voilà, en fait, c'est juste, j'arrive pas à l'expliquer vraiment. Pour le coup, j'ai assez d'ego pour me dire que je connais assez bien le football, mais ce genre de cas-là, qui se répète autant de fois, j'arrive pas à l'expliquer. Après, une autre piste de réflexion, c'est peut-être aussi un peu la configuration psychologique de notre effectif, où on sait qu'on n'a pas que des grands battants, on va dire, des mecs qui sont là, qui sont un petit peu installés. On sait aussi qu'ils sont beaucoup dans la réaction, hein, parce que bon, il y a des mecs qui sont là depuis très longtemps. On parlait de la saison de Bielsa, donc la saison avant, ils font une saison de merde. On peut parler de la saison de Villas-Boas, où ils terminent deuxième, la saison avant, ils font une saison de merde. Les trois joueurs qui sont encore là, qui étaient déjà là sous Bielsa, était également là la saison d'avant, donc la saison 2013-2014. C'est-à-dire qu'eux ont vécu toutes ces saisons montagne russe. Et après, tu ajoutes des mecs qui sont en prêt, des mecs qui sont à la Juventus, des mecs qui vont partir en fin de contrat. Donc peut-être aussi que ça peut expliquer ces démarrages compliqués, mais qu'une fois que le match il est bien, qu'il démarre, peut-être que les mecs se lâchent plus et parviennent à mieux faire ce qu'ils font. Après, c'est une piste de réflexion, hein, je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai remarqué ça sur les premiers matchs de Sampaoli, c'était particulièrement, je sais plus quel match c'était, mais c'était au Vélodrome, ça devait être contre Dijon, ou peut-être même contre Brest. Enfin, il y a deux, trois moments où tu dis, putain, il y a des contre-attaques, il y a des appels et tout, serre-les. Et puis, puis le mec se dit, il fait un petit tour sur lui-même, il dit, bon, je vais pas prendre de risque, allez hop, c'est ça. On va faire gaffe, je suis en fin de saison, là, si j'ai un ballon perdu dans mes stats, ça va faire mal, je suis en fin de contrat, j'ai un ballon perdu, ça va faire mal, c'est un truc. En fait, tu te dis que les mecs ne sont pas impliqués à 3000%, à part peut-être notre ami Dimitri Payet qui lui se dit, bon, soit je relance, soit je pars en Arabie Saoudite et j'ai pas envie d'y aller. Donc après, c'est la spéciale Payet, nouvel entraîneur, je suis bon tout de suite, on la connaît, hein, on connaît très bien Dimitri, on sait très bien que...
Il va voir passer le train de l'Euro, il va dire « Mais je comprends pas, j'ai fini la saison avec 10 buts et 12 passes. » J'ai marqué un doublé contre Rennes, c'est pas possible. Mais oui, pourquoi? Et ouais, Deschamps, il a ses mecs à lui, c'est bon. Messieurs, rien à voir, et je m'adresse aussi aux auditeurs, les preuves qu'on ne ment pas. Amaïs avait bien coupé son micro parce qu'un camion poubelle était passé chez lui, et il est de retour. J'ai eu un combo camion poubelle et Karcher, je crois qu'il y a un combo d'un PME de la société de Richebourg, je sais pas, mais... Je pense que passe ton ballon dérange et qu'on essaie de nous mettre les bâtons dans les roues. J'ai été pris en otage, c'est très frustrant, vraiment. Entre la fibre dans le cinquième et les camions poubelles, ouais, ça fait du bien de vivre dans le centre-ville. La municipalité nous en veut. Les gars, une question qu'on peut lier à ce débat-là, c'est plus globalement également sur les débuts de Sampaoli, des débuts qui sont réussis comptablement et aussi dans le jeu, puisqu'on a retrouvé un certain talent. Est-ce que ça vous surprend, finalement, c'est ce départ plutôt réussi de Jorge Sampaoli à l'OM? Ama, contrairement, qui était le retour. Ouais, honnêtement, oui. Même si j'aimais le travail de Sampaoli dans ses précédents clubs et la philosophie qu'il veut inculquer à son équipe, sans que je sois dans la team AVB fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, ce que je trouvais totalement débile comme raisonnement, mais je trouvais quand même que notre effectif était vraiment marqué mentalement et... Je me suis dit que ça allait quand même prendre 2-3 matchs pour que la mayonnaise prenne. Surtout que voilà, on sait que les principes de jeu de Sampaoli sont assez exigeants et demandent pas mal d'efforts physiques et de compréhension tactique. Et non, je suis très agréablement surpris après avoir lui aussi en train de découvrir l'effectif. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ses compos jusqu'à présent, mais voilà, lui aussi il tâtonne, essaye des choses et. Je me répète, c'est vraiment prometteur hein, ce qu'il fait pour le moment. On a Ismaël dans le chat qui nous dit quelque chose qui corrobore un peu ce que tu dis, Amaya. Il dit la philosophie de jeu est tellement différente avec ce qu'ils ont connu avant. Je pense que ce sera totalement différent l'année prochaine. Effectivement, ça rejoint aussi ce qu'on disait avant sur le débat, sur la question des débuts de match de l'OM. Les joueurs ne sont pas encore forcément habitués. Peut-être que même eux sont surpris finalement, hein, que ça prenne aussi vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mourad, Idriss. Est-ce que ça vous surprend ces débuts qui sont plutôt réussis? Ah non, absolument pas. Moi, je m'y attendais. Et puis, on voit des changements d'attitude de ces certains joueurs qui me plaisent beaucoup. Qui me plaisent beaucoup. je pense notamment à la rentrée de Rongier. C'est un peu tôt excellente pour rentrée, faire, ouais. Pour faire un bilan, mais c'est un excellent, une excellente entrée en jeu après plusieurs semaines. Plutôt bizarre d'ailleurs, parce que j'en avais parlé la dernière fois. Mais Rongier s'entraînait normalement depuis un peu plus de 3 semaines maintenant, depuis la dernière trêve internationale. Et il était juste indisponible pour les matchs. Donc Sampaoli ne voulait pas prendre de risques, histoire de ne pas aggraver la blessure, parce que peut-être qu'il comptait sur lui l'année prochaine. Mais voilà, on était en droit de m'interroger. J'ai bien aimé aussi la première mi-temps de Lucas Perrin, même s'il est sorti très vite. Et puis voilà, franchement, même Milik aujourd'hui, vendredi, a participé un peu plus au jeu. Je le trouve un peu plus souriant aussi, ce qui n'était pas donné au début. Il pensait vraiment juste à son but. Là, pour le coup, je pense qu'il commence à bien connaître ses partenaires à 4 matchs de la fin. Et du coup, je pense qu'il prend un peu plus de plaisir à jouer. Donc ça fait plaisir. Mais voilà, après, comme on le disait à son arrivée, on est content que ça se passe bien. Mais c'est le strict minimum. Surtout quand tu vois le calendrier, Sampaoli, il est arrivé après Largué et AVB. Il a joué aucun gros, entre guillemets, à part Rennes. Voilà. Donc c'est un peu logique. Peut-être pas, je dirais pas normal par rapport à la saison qu'on vient de vivre non plus, mais logique. Puisque tu es paralysé sur les individualités en parlant de Rongier, je propose qu'on élise notre traditionnel phénomène et notre traditionnel fatigué du match. Mourad, est-ce que tu as un joueur que tu as envie de mettre en avant particulièrement sur cette rencontre? On est obligé de penser à Payet qui a été bon, qui fait depuis deux buts une passe. oui, voilà. Après, pour continuer là-dessus et pour continuer sur Payet, sur ce que disait Idriss aussi, il y avait un truc, c'était Alex Jacquin de la Provence était venu sur notre plateau et avait dit j'ai un peu peur qu'en fait Sampaoli il paye le fait d'être revenu trop tôt, c'est-à-dire que
si tu as des défaites, etc., dès le mois d'août prochain, tu auras ce passif-là avec toi. Et en fait, c'est vrai que j'ai un peu un sentiment comme ça, de me dire, est-ce que en fait, ce moment-là où ça se passe bien, c'est ce moment presque de grâce, est-ce que ça aurait pas été mieux de le garder pour septembre prochain quand ça compte vraiment, quoi? Donc c'est peut-être un peu idiot de se dire ça, mais par contre c'est peut-être un peu moins idiot. Ouh, le courbis en moi est ressorti. C'est peut-être un peu moins idiot de se dire. T'es sur la bonne pente, Mourad. T'es sur la bonne pente. Voilà. Est-ce que ces réactions que là un joueur comme Payet a, on sait que Payet, bon voilà, c'est sinusoïdal et qu'à un moment il a une réaction positive et puis après ça redescend. Il y a d'autres joueurs où on se dit bon bah là ils sont pleins de bonne volonté et ils l'ont maintenant et tu te dis ben est-ce que en fait c'est pas gâché leur élan de bonne volonté, leur capacité bonne volonté. C'est un peu comme dans les RPG et tout, ils ont des matériaux, les mecs, ils ont des barres d'énergie, ils ont des barres de bonne volonté. Et elles sont assez réduites. Est-ce que là, on n'est pas en train de gâcher la bonne volonté de Payet, etc. Dans une fin de saison où ça ne sert pas à grand-chose, et l'an prochain, quand ça va servir à quelque chose et qu'on va repartir, les mecs, ils vont recommencer à bouder, à dire ouais, mais on travaille trop, ouais, mais là, ça ne marche pas. Au bout de deux matchs, ils vont perdre foi en leur coach, etc. Bon, voilà. Mais après, bon, je pinaille. Payet a été bon. Et puis, c'est peut-être aussi une mauvaise habitude chez moi de toujours voir le mal qui arrive, surtout quand il s'agit de l'OM. Mais voilà, donc le phénomène, je dirais Payet, parce que voilà, Payet, Irola aussi a plutôt été bon. Irola a été bon, ouais. Irola a été bon. Idriss, tu parlais de Rongier aussi, qui fait une belle entrée. Mais pas de quoi le mettre phénomène du match. Non plus. Mais qui soulève un autre problème, en tout cas selon moi, l'entrée de Rongier, c'est cette doublette au milieu Camara-Gueye, qui on s'aperçoit. Je suis pas vraiment fan, moi, de cette doublette. Moi non plus. Je trouve que la coïncidence qui fait que Camara sort, Rongier rentre et l'OM se met à jouer, elle n'est pas si anodine que ça. Et c'est arrivé aussi la semaine dernière, rappelez-moi le match où Camara est replacé en défense. Et contre Lorient, où Camara est replacé en défense, oui, exactement. Et derrière, ça joue tout de suite mieux. Est-ce que Rongier a peut-être pas une carte à jouer là pour cette fin de saison, gagner des points, et même en vue de la saison prochaine, parce qu'il sera là sans doute la saison prochaine. Ama, vu que tu es d'accord avec moi, je te laisse développer ton opinion. Bah déjà, pour commencer sur la doublette Camara-Gueye, moi j'ai un avis qui est le suivant, à savoir que Camara, selon moi, est un meilleur défenseur central qu'un milieu récupérateur, voire relayeur. Mais ça n'engage que moi. Mais je pense qu'il a plus de qualité de défensive qu'autre chose, même si ça reste avant tout et surtout un excellent footballeur. Et concernant Rongier, oui, le Rongier des 6 premiers mois, il a totalement et le niveau et le profil pour s'intégrer dans le système de jeu de Sampaoli. Est-ce que c'est pas le meilleur match de Rongier alors qu'il a joué qu'une mi-temps cette saison? Bah, en même temps, il a tellement été catastrophique cette saison que oui. Non, il sera très utile. La seule chose qui lui manquerait et qui lui manque toujours depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est d'être décisif dans les 30 derniers mètres. C'est une chose qu'il n'a que très rarement fait finalement, que ce soit au niveau des buts ou même des passes décisives ou même des avant-dernières passes. Mais j'aimerais bien le voir, en tout cas, associé à Gueye, justement. Gueye, limite, je le trouve même meilleur quand il est libéré de Camara. Peut-être que ça n'a pas de lien de cause à effet, mais disons que ça fait deux matchs d'affilée où c'est comme ça, quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dans le chat, Bachi, c'est d'accord avec toi, parce qu'il nous dit que Camara et Gueye se gênent, limite. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un conflit de profil, si on peut dire ça, entre les deux. Et Rémi aussi est d'accord, Rémi, dans le chat, qui nous dit que la sortie de Camara a fait du bien, on avait un dispositif trop défensif. Donc, ouais, comme on le disait, peut-être qu'Orongi a une carte à jouer, messieurs, pour cette fin de saison et même peut-être pour la saison prochaine. Un fatigué du match, les gars? Peut-être quelqu'un qui a été moins en verbe ce vendredi? Juste, Mathieu, juste pour finir sur Pape Gueye, je le disais, je l'ai rapidement évoqué en début d'émission, mais je le dis souvent quand on regarde les matchs avec Ama, c'est que je trouve que Pape Gueye reste très limité pour l'instant dans l'utilisation du ballon. Je trouve excellent la récupération, excellent dans la première relance dans les petits espaces, mais dès qu'il a un peu d'espace
Et dès qu'il doit un peu plus prendre le jeu, prendre le ballon, il a beaucoup plus de mal, il est beaucoup plus limité. Voilà, c'est juste, on peut changer. Maintenant, après, pour le fatiguer... Alors, il y en a du Thauvin dans le chat. Ah, Baptiste, mais franchement, ouais, parce que ça, c'est la réponse facile. Je cherchais un deuxième, histoire de changer, mais il n'y a personne qui mérite vraiment cette appellation. Bah ouais, en vrai, genre même un mec comme Nagatomo qui a été décrié, il a fait ses matchs en ce moment, donc... Il a fait son match, ouais, donc ouais, bah oui, bah, réponse facile, Thauvin. Hein. Des fois, Mourad, tu souscris à l'option de Thauvin fatigué du match. En antenne, c'est oui. Ouais, voilà, il y a pas grand chose à dire. Mais comme voilà, je vous disais hors antenne, pour moi, j'ai une ligne de conduite avec Thauvin, c'est que Thauvin, en fait, c'est un peu une arme finale dans un collectif qui est bien rodé. Donc, si ton collectif il est bien rodé et qu'il peut se passer de son travail collectif, du travail collectif de Thauvin, pour que Thauvin soit juste là pour tenter ses 5-6 derniers gestes et te mettre un but de passe décisive, bon, bah, ça passe. Mais si, par contre, tu as besoin de son travail collectif, là, tout de suite, son apport, il est vite remis en question, quoi, on va dire. Et je pense que c'est un petit peu la carrière de Thauvin. Donc, d'un côté, je pense qu'on est souvent trop, trop dur avec lui parce que des mecs qui mettent 80 buts, 40 passes décisives à l'OM, ça ne court pas non plus les rues, même si, donc, voilà, en l'ayant sur le terrain, est-ce que l'OM, c'est une équipe qui peut se permettre d'avoir un joueur comme ça, c'est-à-dire un joueur qui peut-être n'est pas bénéfique collectivement, mais qui a de grandes chances d'être bénéfique sur la feuille de stats, à part s'il n'est pas en confiance. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser, parce que je pense que, comme le disait notre ami Edou dans des lives en décembre dernier, c'est bon, on ne va pas le changer, Thauvin, maintenant. On ne va plus le changer. Les gens qui pensent que Thauvin, il peut encore changer, il ne va plus changer. Quoi. C'est ça, il n'a même pas envie de changer, je pense. Ah oui, je pense pas. À son âge. Ouais, voilà, donc voilà, c'est pour ça que si tu le gardes, bon, bah, tu vas te dire, bon, bah, il va encore falloir faire avec lui, même si encore falloir faire avec lui, ça veut dire qu'il va peut-être te mettre des buts, mais bon, voilà. Mais ouais, oui, mais sur ce match-là, je suis prêt à prendre 5 à 10 buts de moins sur la saison si c'est juste pour plus le voir. Et finalement, c'est une histoire qui dure depuis 8 ans maintenant. Donc, franchement, en plus, moi, j'en garderai un très bon souvenir, même s'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs quand on fera la balance. Mais franchement, je retiendrai que le positif. Mais voilà, c'est terminé. Finalement, en fait, le problème, c'est que, pour conclure sur Thauvin, là où la crainte de le perdre, c'est finalement un peu c'est la crainte de l'inconnu, parce que tu ne sais pas ce que tu vas avoir derrière et tu te dis qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne. Tu sais très bien ce que tu vas perdre, c'est pas ce que tu vas gagner. Ouais, non, mais au des final, fois, le célibat, c'est pas mal. Après 8 ans de vie commune avec une meuf, si elle te saoule, tu la dégages. J'ai resté seul. J'adorais Thauvin, mais je suis pour tourner la page. On l'a plusieurs fois dit dans cette émission, mais je comprends les gens qui craignent un peu l'inconnu. Vas-y, oui, parce qu'on ouais, mais déjà que, comme l'a dit Idriss, voilà, ça fait 8 ans. À un moment donné, il faut tourner la page. Et en préambule, je disais qu'il y avait certaines choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord avec Sampaoli. Là, le fait de mettre Thauvin dans l'axe, du moins au départ du match, ensuite, c'est vrai qu'il bouge un peu partout, mais il se retrouve quand même pas mal au cœur du jeu. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Thauvin n'a jamais été un joueur axial, c'est pas un mec qui va te créer le jeu. Il ne l'a jamais été. Comme l'a dit Mourad, c'est un mec qui est très bon pour te finir les actions, c'est un joueur de stats, ce que tu veux. Mais ensuite, pour t'apporter du lien entre le milieu et l'attaque, il le fera jamais. Hein. Mais c'est parce c'est pas son rôle, il sait pas faire ça. Donc là, je comprends pas ce que Sampaoli voit en lui dans ce rôle, pour le coup. Alors, si je peux me permettre de répondre au nom de ce senior Jorge, pardon. C'est que Thauvin présentait parmi tous les milieux de terrain le plus gros coffre physique. Donc, dans ce poste-là, de ce qu'on a appelé demi-ailier-relayeur, au début de Sampaoli, Thauvin avait la plus grosse VMA parmi tous les autres joueurs. Donc, c'est lui qui couvrait le plus de terrain. Et oui, en plus, quand tu vois la concurrence, pour le coup, donc, quand tu vois qu'un Cham, il ne fait pas rentrer, etc. Et donc, allez lire un tweet de 13-013 qui rapporte un propos de la Provence à propos d'un Cham. J'étais mort de rire. Je ne sais plus le terme exact, sinon, ce n'est pas drôle. Bref. Et oui, c'était. Sampaoli était au bord de l'apoplexie voilà. À chaque touche de balle d'un Cham lors de Nice OM. Je rappelle que d'un Cham était sorti à la mi-temps après une première période cataclysmique ce jour-là. Mais oui, la formule était très drôle. C'était par rapport à un match au Vélodrome, je crois que c'était pour le premier match de Sampaoli contre Rennes. On avait trouvé intéressante la performance de Thauvin, sauf que il s'est avéré que c'était son pic.
de performance dans cette position-là. Or, on voit que l'équipe est plus performante quand Luis Enrique rentre et qu'on passe dans un 4-3-3 un peu plus classique. Enfin, même limite un 4-2-3-1 avec Payet juste derrière Milik, avec Enrique et Thauvin sur les côtés. Parce que déjà, Thauvin est plus à l'aise. Et après avoir fait courir l'adversaire pendant 70 minutes, en faisant entrer Luis Enrique d'un côté et Thauvin de l'autre, tu permets d'installer un déséquilibre permanent sur les deux ailes. Mais après, voilà. C'est un plan de jeu. Je suis curieux de voir ce que Sampaoli réserve la saison prochaine. Quoi. Les gars, si je peux me permettre, Mathieu, tout à l'heure, tu faisais une analogie de la vie de couple un peu avec Thauvin, en disant bon bah voilà, si après 8 ans la personne avec qui tu es te saoule, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, les personnes qui veulent garder Thauvin pour rester dans ce couple, c'est qu'ils se disent putain merde, s'il part, j'aurai personne derrière. Donc en fait, c'est pas mal le célibat. Je suis pas conseiller conjugal, mais je dirais que ce n'est pas une très bonne stratégie pour ta vie de couple. Si tu te dis ouais, mais putain, sinon on a qui derrière, je vais pas réussir à choper, je vais finir ma vie seule avec des chats. Bon bah ouais, mais si c'est juste parce que tu as peur d'être seul, sinon bon, c'est peut-être pas top non plus. Bon, c'est un petit peu ça dans lequel on est. Dans tous les cas, ouais, Thauvin, je trouve qu'on est trop dur avec lui, mais en fait, je comprends pourquoi on est dur. Si on m'avait dit qu'on parlerait histoire de cœur dans Passe ton ballon. Prends ça, Brigitte Lahaye. Préparez-vous, préparez-vous pour la hotline Passe ton ballon tout l'été. La radio libre. La radio libre. Vous parlez de problèmes de cœur en direct avec nous. Avec Ama, on vous donnera des conseils de couple. Les gars, pour conclure vraiment très rapidement en un mot, je vous demande une réponse en un seul mot. Est-ce qu'au vu des calendriers de Lens, de l'OM et de Rennes, l'OM est favori pour la 5e place? Oui. Ah, encore, quand tu vois le calendrier de Lens. J'ai dit un mot. Oui. Mourad ? Malheureusement. Ah oui, on rappelle que Mourad veut jouer la Ligue Europa Conférence. La 6e place. Cette magnifique Coupe d'Europe. Alors, ceux qui sont sur YouTube, j'ai mis les calendriers des 3 équipes à l'image. Voilà, vous pouvez les voir. Donc, calendrier très très favorable à l'OM. Dont on débriefera les matchs dans les prochaines émissions. Une émission qui évolue techniquement, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'émission, on va vous proposer un jingle. Jingle is this. Oh. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. C'est magnifique. On remercie le film Les Collègues pour les travaux. Jingle, puisque oui, on passe à l'autre sujet, le principal sujet de cette émission, et ce pourquoi Mourad est avec nous, c'est ce projet de documentaire sur les Minots, cette équipe de gamins du coin, de gamins marseillais qui ont sauvé l'OM au début des années 80, lors de la saison 80-81, corrige-moi si je me trompe Mourad, un projet que tu lances donc avec Benjamin Courme et Jean-Charles Debonneau qui officie avec toi chez Football Club de Marseille. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet? Finalement, comment elle est née, cette idée? Oui, et Julien Lafont aussi, qui est réalisateur de documentaires. Oui, excuse-moi, j'ai oublié. Oui. J'avais noté sans qui, on aurait des images très moches, je pense. Bon, Ben, c'est se servir d'une caméra, mais bon, si c'est moi qui m'occupe des caméras, ce serait pas très beau. Mais oui, donc en fait, c'est né du fait de travailler avec Jean-Charles Debonneau. C'est faire un documentaire, c'est un truc qui m'intéressait, parce que j'essaye d'élargir au maximum le spectre du métier de journalisme, de journaliste, et le documentaire, c'est un truc qui m'intéresse. Mais voilà, l'idée, elle est pas mal née de Jean-Charles Debonneau, après l'émission, qui te raconte ce qu'il a fait. Tu te dis putain, c'est incroyable, parce que moi, comme vous tous, je pense, on est à peu près tous de la même génération. Après, Mathieu, on doit être de la même génération, je pense, et les autres, vous êtes peut-être un peu, vous avez peut-être 5-6 ans de moins. Oui, comme la calvasse, comme la calvasse en témoigne, mais oui. mais voilà, grosso modo, c'est bon, de toute manière, c'est la même chose. Moi, je connaissais l'histoire parce que je l'avais lu dans des livres, parce que j'avais peut-être déjà lu des articles de Mario Albano, j'avais déjà lu des trucs à gauche, à droite, mais c'est des petits trucs à gauche, à droite, et tu te dis, mais en fait, cette histoire-là, elle est complètement sous-exploitée, elle est vraiment pas utilisée, et c'est une histoire incroyable, une histoire pleine de sens, une histoire
tellement marseillaise à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est vraiment un truc qui est très puissant. Et puis, bah, toi, tu travailles pendant 2 ans avec Jean-Charles de Bonneau qui te dit, ah, quand on sortait du stade à Sochaux, qui te raconte ses anecdotes de fou, tu te dis, bon, OK. Et le moment où Benjamin et Julien se sont dit, bon, on va faire des documentaires, on va essayer de lancer une boîte de prod pour faire des documentaires. Et je dis, bon, bah, il faut qu'on fasse ça. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti faire ça. Et Jean-Charles, ça fait un an que je lui dis, bon, il faut qu'on fasse un truc ensemble. L'année dernière, je voulais déjà essayer de travailler sur une expo, quelque chose comme ça, sur les minots. J'ai commencé à travailler là-dessus en mars. Donc après, vous savez ce qui s'est passé. Donc ça ne s'est pas passé. Mais voilà, Jean-Charles savait que je voulais, dans tous les cas, travailler sur un truc sur les minots. Et voilà toute la genèse du projet. Messieurs, le crack est enfin là. Bonsoir, Azir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Azir ? Ça va, impeccable. On a le ventre plein, donc ça va. Azir, on t'a pas entendu pour débriefer le match. Tu nous en voudras pas, j'espère. Même si on a été privé de tes analyses de haut vol, mais bon. En tout cas, merci d'être avec nous, Azir. Merci de nous avoir rejoints. On commençait à parler de ce projet de documentaire sur les minots. Les gars, je parle sous votre contrôle et confirmez-moi. Quand on a vu le premier tweet de Mourad, rappelez-vous, dans notre conversation, on s'est envoyé le tweet, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse une émission tout de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce projet, les gars ? Moi, à l'image de ce qui a été fait par... Pour le film sur Gunnar Anderson, je trouve que c'est une excellente initiative. Je regrette que le club ne soit pas à l'initiative de ce genre de choses, car c'est l'histoire de l'Olympique de Marseille. Je te coupe rapidement, Ama, je te redonne la parole dans 30 secondes. On a mis dans le chat YouTube le lien ProArchi, parce que c'est basé sur un financement participatif, tu en parleras, Mourad, après Amaïs, pour contribuer à la création de ce documentaire. Mourad, tu nous expliqueras à quoi servira cet argent juste après. Je te redonne la parole, Ama, vas-y. Pas de souci. Oui, donc je disais, je déplore que ce genre d'initiative ne soit pas réalisée par l'Olympique de Marseille, car c'est l'histoire du club. Mais en revanche, je suis très content de voir que des structures comme celle de Mourad, justement, contribuent à, comment dire, valoriser, préserver et transmettre l'histoire de l'OM, qui est très riche, et cette période des minots est assez méconnu, je pense, surtout au niveau de la nouvelle génération. Et il est important de faire comprendre que l'OM est passé tout proche de la catastrophe, quasiment 10 ans après avoir disputé son premier match européen. Ça semble fou de dire ça, mais c'est une période charnière de l'histoire de l'OM. Alors, comme je le disais, Mourad, vous avez lancé une cagnotte sur une cagnotte ProArchi pour récolter des fonds donc qui serviront à notamment acheter des images d'archives, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est principalement ça, 80% ça, parce que ça coûte cher, les images d'archives, en fait. Et après, en plus, tu as des prix différents selon que tu utilises ces images d'archives pour faire des diffusions en festival, à la télé. Il y a plein de formules différentes et ça coûte très cher. Et puis, c'est impossible de faire un documentaire sur une équipe des années 80 sans avoir des images des années 80. Donc, il y en a pas mal de dispo, donc c'est pas mal pour... revenir, parce qu'Amaïs parlait du docu sur Gunnar aussi, qui était une excellente idée et qui... Bon, en fait, c'est pas tout à fait ça qui m'a donné l'idée, parce que j'avais déjà ça en tête, mais c'est vrai que c'est toujours inspirant de voir des gens qui font ce genre de projet. Et lui, il avait déjà, je pense, beaucoup moins d'images, parce que Gunnar, c'était les années 50. Dans les années 80, tu as déjà un peu plus d'images. Donc voilà, grosso modo, c'est pour payer les images d'archives. Et puis, si c'est possible aussi d'avoir un budget pour la musique, pour les contreparties aussi, parce qu'il va falloir qu'on paye, si on organise des projections, louer la salle, etc., des choses comme ça. Mais en très, 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 très grande partie, c'est les images d'archives. On a Cisco dans le chat qu'on embrasse, qui nous dit « Moi-même, j'étais très jeune, mais c'est grâce à eux, vu des yeux du cœur de mon père, que j'ai aimé l'OM. » Ça me fait penser à une question, les gars. Pour nous qui sommes plus jeunes, tiens, Azir, vu que tu nous as rejoint, je vais te donner la parole pour que tu nous donnes ton ressenti. Pour vous, qu'est-ce que, dans votre imaginaire, dans votre esprit, qu'est-ce que représente cette équipe ? Parce que je vous dis, j'avais l'impression que c'était bien plus vieux que ça, en fait. Pour moi, c'était dans les années 60, 70. Alors,
je sais pas pourquoi, hein, mais c'est une équipe finalement dont on parle pas souvent. Azir, toi, tu, dans ton esprit, cette équipe, elle représente quoi? Elle représente beaucoup de choses. Ça m'a toujours, cette période m'a toujours intrigué, de manière générale. Comme tu as dit, j'ai l'impression que c'est une période qui est pas assez mise en avant par le club, et peut-être que ça peut se comprendre parce que c'était une période quand même douloureuse, parce que l'OM aurait pu disparaître à ce moment-là. Mais c'est une période qui m'a toujours intrigué par rapport à Jean-Charles Debonneau à l'époque de OMTV, qui je crois avoir vu un petit truc par rapport à qui rappelait un peu cette période-là. Et moi, parce qu'on, bon, après c'est un contexte particulier évidemment, mais on dit souvent, très 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 souvent, que l'OM et les jeunes, c'est impossible, que ça n'est pas partie de l'ADN du club, etc. Mais au final, les gens, les joueurs qui ont permis de sauver ce club et d'enchaîner sur la période la plus belle page de l'histoire de ce club, c'est des jeunes issus du centre de formation qui, 2 ans auparavant, ont gagné la Coupe Gambardella. Tu vois. Et ça fait plaisir, en même temps, de savoir que c'est des Marseillais, des gens issus du centre de formation, des jeunes joueurs issus du centre de formation, du CRU, qui ont l'OM dans le sang, entre guillemets, qui ont permis à ce club de survivre et de faire en sorte d'enchaîner sur une page exceptionnelle qu'on a tous en tête, même si on était très, très jeunes à ce moment-là, mais ou pas né du tout. Mais voilà, ça marque en vérité peut-être le début de quelque chose de grand, même si évidemment le contexte était particulier. Idriss, qui commence à faire de l'urticaire parce qu'il ne parle plus, je vais te donner la parole. Mais Idriss, ce que vient de dire Azir est intéressant, et ça me fait penser à ce que tu disais quand on préparait l'émission, où tu as mis en avant un petit peu cette contradiction entre le fait que cette équipe soit composée de minots, de jeunes Marseillais, et que de notre côté, on a cette politique vis-à-vis de la formation de l'OM qui a parfois été galvaudée, rejetée. C'est une contradiction que tu souhaitais aussi mettre en avant. Bah déjà, entre Ama qui me coupe la parole et Azir qui reprend mes arguments, je me demande ce que je fais dans cette émission. Je fais la technique. Je fais la technique, voilà. non, je rigole, bien évidemment. Ben bah, oui, en fait, je trouvais la contradiction aussi pathétique que magnifique. Parce que oui, ces joueurs-là ont sauvé le club. Ils l'ont pas juste sauvé pardon, de la relégation en Détroit à l'époque. Ils l'ont sauvé financièrement, en termes d'identité aussi. Donc, c'est pour moi, c'est la période la plus importante de l'histoire du club devant les années 90. Et je trouve scandaleux, voire même criminel, le travail de mémoire qui est fait par l'OM autour de ça, enfin par le club. Et c'est vrai, Azir a raison. Moi, elle m'intriguait beaucoup par OMTV, parce que Jean-Charles Debonneau en parlait beaucoup. Parce que Michel Floss aussi, qui participait à beaucoup d'émissions, c'est qui vrai. Est un ancien recruteur de l'OM, en parlait beaucoup aussi. Ils en parlaient, ils citaient des noms que j'avais jamais entendus, des Roland Gransard, des Caminetti. Et derrière, bah, c'était les débuts d'Internet, les débuts de la démocratisation d'Internet. Donc il y avait plusieurs sites qui se créait un peu à gauche à droite, et derrière on se renseignait sur ces noms-là, je me renseignais sur cette époque des minots, j'avais 10, 11, 12, 13 ans, et oui, j'ai été fasciné, et moi j'en avais parlé avec Mourad quand j'avais participé à Débat Foot Marseille, je suis heureux, enthousiaste, euphorique à l'idée de voir ce documentaire se réaliser. Ama, qui voulait poser une question aussi, je crois. Je te laisse la parole, Ama, vas-y. Oui, non, je voulais poser une question à Mourad, qui a donc eu l'occasion de discuter avec les principaux protagonistes. On parle des minots, mais moi j'aimerais bien connaître la genèse, parce que je me répète, donc l'OM, 10 ans en arrière, disputait son premier match européen, a eu entre-temps des grands joueurs comme Marius, Trésor, etc. Et comment, en aussi peu de temps, on est passé de l'Europe à une quasi-relégation en Détroit et à une quasi-banqueroute. Ça m'intrigue énormément. Juste, bon. juste Mourad, juste avant que tu démarres, c'est juste pour dire que dans l'équipe qui descend, il y a Marius Trésor et DJ Six qui vont aller derrière à la Coupe du Monde 82 avec l'équipe de France qui va faire demi-finale, tout ça. Donc on descend pas avec une équipe de peintres, loin de là. Oui, exactement. Ouais.
Il y avait Linderoth aussi, qui me semble qui était un très bon joueur suédois. Et en fait, tu démarres la saison où tu descends en limite en tant que prétendant au titre, et puis tu finis par descendre. Et toute la saison, on te dit non, mais tu peux pas descendre, ça va, t'es l'OM. Enfin, vous connaissez ça, on l'a tous vu, c'est ces grandes équipes qui en fait font des saisons catastrophiques. Bon, il y a quelques saisons, c'était Monaco, et puis on se dit non, mais ça va, Monaco, ils peuvent pas descendre. Mais bon, ça va, ils pouvaient pas vraiment descendre, mais. Du coup, ta question, Amaïs, en fait, c'est simple, c'est comment l'OM en est arrivé là ? Ben, en faisant l'OM, c'est-à-dire comme d'habitude, en recrutant des mecs très chers, en creusant la dette à longueur de temps, en ayant aussi des guerres de dirigeants et en ayant une gestion du club qui a été... franchement, en fait, quand tu te plonges dans l'histoire de l'OM, tu te dis, mais vraiment, c'est un éternel recommencement. Tu as toujours le même type de personnage qui arrive, le même type de président, le même type de mec... Au moment où l'OM est vraiment dans la panade et tombe en D2, etc., il y a quand même un mec qui t'explique, Christian Carlini, voilà, qui t'explique qu'il va aller chercher des financements au Venezuela par un groupe. Les bolivars, oui, j'allais t'en parler. Voilà, par un groupe de Marseillais de Corse qui sont au Venezuela et qui sont fans de l'OM. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et le mec, il avait une formule, un truc, vaut mieux un pigeon mort dans l'assiette que trois alouettes qui volent. Donc, en fait, t'as toujours cette dualité à l'OM entre des personnages pittoresques et puis des personnages qui viennent t'apprendre la vie. Parce qu'après, à l'OM, tu as Claude Cuny qui arrive et qui est un mec qui dit, ah, moi, ça va, j'ai fait Nancy et tout, vous, là, je vais vous apprendre comment on fait. Donc, t'as toujours cette dualité-là. Et entre-temps, t'as toujours aussi ce truc, bon bah il faut qu'on achète des stars, parce que dès que l'OM remonte en D1, je dis bon bah il faut qu'on achète des stars, et des fois t'as pas l'argent en fait pour acheter des stars, donc t'achètes des mecs qui sont un peu finis, des mecs qui te coûtent cher mais qui ont pas trop l'envie, et voilà, en fait c'est un petit peu ça. Donc l'OM tombe là en étant l'OM. Et tout à l'heure, alors je me suis dit il faut que je rebondisse là-dessus, parce qu'Azir disait quelque chose, je sais plus exactement, mais c'était sur le fait que ces jeunes aient prouvé qu'ils pouvaient être aussi bons. Parce que moi, ce qui me gêne toujours, c'est le recrutement des Grégory Sertic de ce monde. Pourquoi tu vas chercher des joueurs tout moyens au lieu de miser sur des jeunes de ton centre de formation qui sont peut-être tout moyens, ils sont peut-être pas bons, des craquitos, et il y a pas longtemps vous avez eu Larry Azouni, mais franchement faire sa carrière, c'est pas donné à tout le monde. Donc peut-être qu'en plus si tu lui donnes confiance à l'OM, bah, peut-être que le mec il est meilleur encore, et peut-être que il obtient un niveau assez satisfaisant, et peut-être qu'en plus il t'apporte un peu un supplément d'âme parce qu'il vient de ça. Et tout ça c'est une stratégie. Mais à l'OM, cette stratégie, on la balaye toujours d'un revers de la main, en se disant non, mais il nous faut des mecs aguerris, des mecs qui sont prêts à jouer, etc. Donc quand l'OM descend en D2, bon bah il y a quand même des mecs comme Robert Bouygues qui est par exemple, je pense qu'il a été international ou un truc comme ça. T'as des joueurs moyens, des joueurs aguerris de division 2. Et en fait, bon bah la saison est très moyenne. D'ailleurs, c'est Albert Batteux, le coach, qui est une légende parmi les légendes du football français. Je voulais en parler de ça après justement. Voilà, mais là il est un peu fini. Il est un peu sur la fin à l'OM, et puis en plus personne ne le favorise trop. Encore une fois, l'histoire est un éternel recommencement. On connaît ça, les entraîneurs qui arrivent et à qui qu'on aide beaucoup, on va dire. Et en fait, Christian Caminiti, il fait partie des rares joueurs qui jouent déjà en équipe première avant l'épopée des Minots. Et donc lui, il joue un match retour contre une équipe, alors je ne sais plus qui c'était, c'est peut-être Montluçon ou quelque chose comme ça. Il joue le match retour et puis ça termine par un match nul. Et il dit, mais putain, franchement, en fait, je suis un peu dégoûté parce que j'avais joué le match aller avec donc les pros, ceux qui vont être virés quand il y a la liquidation judiciaire. Et là, en ayant joué avec les jeunes, je trouve qu'on a été meilleur et qu'on méritait plus de gagner alors qu'on a fait match nul. Donc voilà, ça prouve que en fait, tu peux faire des choses avec des jeunes. L'amour du maillot, la grinta. Voilà, et tu vois, Idriss, en plus, tu sais à quoi tu sers, parce qu'en plus, si je te pique le rôle du mec qui parle trop, ça va être dur, merde. J'en ai marre de ce gimmick. Ouais, je sais, je le connais bien ce gimmick là. Mais tu sais pourquoi Azir disait ça? C'est parce qu'en fait Azir il rêve secrètement d'une même épopée avec des Naïm Chadjouli, avec des Aaron Kamardine. C'est bizarre, tu cites que des gens d'origine comorienne. C'est bizarre, hein. Ah oui, et t'as pas cité son chouchou en plus, hein. T'as oublié Hibou. Non, je vais me prendre pour un fou. Non, moi je veux des bons joueurs à l'OM avant tout.
Après, ça peut être des Marseillais, des jeunes issus du centre de formation, c'est encore mieux. Mais l'idéal, ça, c'est que c'est évidemment des bons joueurs. Non, mais après, moi, ça m'a toujours surpris. Enfin, parce que ça, c'est pas quelque chose qui n'a pas existé, quoi. C'est pas. Après, évidemment, le contexte est particulier. Hein. Ils sont pas venus piocher dans le centre de formation parce que ça faisait partie du projet sportif, tu vois. Donc c'est important de le rappeler ça. Le travail que fait Mourad et son équipe, ça c'est important pour ça aussi. Mais ça prouve quand même que, même si une autre époque, encore une fois, c'est notre contexte, mais que le centre de formation de l'Olympique de Marseille, des jeunes Marseillais ont quand même écrit, ont participé à l'histoire de ce club. Et c'est important de le dire qu'à chaque fois, au lieu de balayer d'un revers de la main, comme l'a dit tout à l'heure Mourad, que l'OM et les jeunes, c'est impossible, c'est comme si c'était quelque chose de contre-nature et tout. Non. Parfois, et l'histoire le prouve, même si encore une fois, c'est un contexte particulier, le centre de formation de l'OM peut être intéressant. D'ailleurs, mais tu fais bien de le souligner, ça fait pas partie du projet sportif, parce que les mecs, en fait, les mecs qui viennent et qui disent on va se baser sur la formation, c'est toujours du vent, parce que un projet sportif avec des jeunes, c'est très difficile. Et en fait, là, comme t'as pas le choix, t'es obligé de les mettre. Donc, en fait, le projet sportif, c'était on n'a pas le choix. Et à l'OM, en fait, on fait ça avec les jeunes. Le projet sportif avec les jeunes, c'est que ça. C'est que quand, on n'a pas le choix. Quand Bielsa est là et qui prend Aloé, Sparagna, Andonian, Boutoba aussi. Non, attends, c'est qui met le but à Montpellier? C'est Boutoba. C'est Omrani. Ouais, mais non, mais Boutoba aussi, en fait, il rentre en décembre contre Monaco, il fait son premier match. Et ben pourquoi c'est ça? Alors, c'est Bielsa, donc c'est un peu particulier. L'exemple est peut-être pas le bon, parce que Bielsa, dès le départ, se base sur la formation. Mais dans tous les cas, en fait, c'est que quand t'as pas le choix. Pourquoi Perrin, il occupe le groupe? Parce que en 2019-2020, il n'y a pas d'argent. Donc on dit, on va le prendre, on va l'essayer. Et puis on dit, finalement, il fait l'affaire, donc on va le garder. Mais en fait, parce que Strootman ne voulait pas jouer en défense centrale. Aussi, voilà, mais donc la politique de formation à l'OM, étant donné qu'on est coincé dans ce truc, il nous faut que des stars ou alors des joueurs qui sont déjà prêts à jouer les premiers rôles mais qui s'appellent Grégory Sertic, et bien ta politique de formation, au final, c'est quand on n'a pas le choix, on les fait jouer. Est-ce que et surtout comment expliquer le fait qu'on parle finalement très peu de cette équipe, de cette époque de l'histoire de l'OM, parce que comme on le disait Azir et moi-même en préambule, finalement on a l'impression que ça fait des années et des années. Moi je pensais vraiment que c'était en 70, etc. Finalement comment tu l'expliques, Tom Mourad, le fait que cette équipe soit finalement peu mise en avant dans l'histoire de l'OM? Déjà parce que le club, de manière générale, et c'est encore plus appuyé depuis l'arrivée de ces nouveaux propriétaires, de réduire l'histoire de l'OM à 1993. On est en train de te perdre, Mourad. Est-ce que tu peux reprendre depuis le début? Tu as été coupé. Désolé, c'est la fibre du boulevard Chab. C'est toujours cette fibre. Donc vas-y. Je disais, premièrement, en fait, c'est dû au fait que l'Olympique de Marseille, et c'est encore plus le cas depuis l'arrivée de ses nouveaux dirigeants, a décidé de réduire l'histoire du club à 1993, à on a l'étoile, à on a gagné, avant il n'y avait rien qui existait. C'est ça, en fait, on a l'impression que l'histoire de l'OM, c'est ça. Et puis en plus, c'est bien, donc après, si on part dans une analyse sociologique de bas étage, on peut aussi se dire que c'est dû un peu à un état, à une société dans laquelle on ne fait que mettre en avant le triomphalisme et le fait de gagner, t'as gagné le plus grand, le plus beau, le plus machin, donc on met que ça en avant en fait dans l'histoire de l'OM et on oublie tout le reste, et donc il y a déjà ça. Et en plus de ça, les minots ont entre guillemets la malchance d'être juste avant cette époque glorieuse. Donc comme on ne parle que de ça et comme toute la communication qui est faite autour du club ne se résume qu'à ces années-là, qui sont magnifiques. Attention, il faut jamais dénigrer le fait que l'Olympique de Marseille est le seul club français à avoir gagné une Ligue des Champions. Mais comme je le dis souvent, c'est la plus belle page de l'histoire du club, mais c'est pas la seule. Donc en fait voilà, c'est pour ça, c'est parce que on a tendance à réduire le club à ça. Moi des fois je me dis en fait s'il n'y a pas Benjamin qui fait son documentaire sur Gounard et les clubs de supporters qui s'intéressent à ça, Gounard, on l'oublie. J'ai l'impression que dans quelques années, il faudra qu'on explique qui était Josip Skoblar, quoi, parce qu'en fait, on efface tout. On en parle très peu, ouais. C'est vrai que même Skoblar, Anderson, toute cette période-là, on en parle très peu, finalement. Voilà, même des mecs comme Bonnel, Scotty... Oui, bien sûr.
Et t'as des mecs qui sont vraiment très importants dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ben non, on a gagné, on a la coupe, et puis basta, et puis c'est tout. Et c'est pas suffisant. Ça, c'est pas être un grand club. Ouais. Ça, c'est être un club qui a 5 ans d'histoire et qui a gagné la Ligue des Champions au bout de 5 ans. Non, l'Olympique de Marseille, c'est un club qui est 1899, donc il y a des tas d'histoires magnifiques. Donc déjà, il y a ce côté-là. Ensuite, tu as le côté juste avant Tapie. Et enfin, tu as le côté où c'était en D2 et où, en fait, on n'a pas mis en avant le côté survie, le côté... Mais justement, Mourad, désolé, c'est justement que c'est ultra important de dire que c'était avant Tapie. Parce que c'est parce qu'ils sauvent le club en 81, qu'ils remontent en D1 en 84 ou 83. 84. Que derrière, Gaston Defer, qui va rechercher un nouvel investisseur, un nouveau patron pour mettre de l'argent, parce qu'il sait que la mairie ne pourra pas être derrière le club pendant très longtemps, va chercher Bernard Tapie en 86. Enfin, en 85, pour que ça se fasse en 86 derrière. Donc, c'est ça qu'il faut dire. C'est que si derrière, il y a eu Tapie, l'épopée Tapie, la Ligue des Champions 93, tout ça, c'est parce que les Minots ont sauvé le club 5 ans avant. Et que derrière, la politique, comme on sait à Marseille, le foot et politique sont jamais très bien éloignés. Gaston Defer va chercher un investisseur pour pérenniser le club, et il va chercher Bernard Tapie. Et oui, ça, pour moi, c'est ultra important. Et tu peux même rajouter à ta démonstration le fait que si le club descend en D3 avec ses dettes, il y a sans doute pas ce consortium qui se conglomérat là qui se forme pour essayer d'absorber la dette de l'OM. Et donc si tu descends en D3, en fait, tu retombes dans les plus basses divisions. Dans les divisions amateurs, et tu dois peut-être changer de nom. Tu vois qu'il y a beaucoup de clubs en France qui ont dû passer par là, par changer de nom, et ça te reprend peut-être plusieurs années, mais vraiment plusieurs, peut-être une dizaine d'années pour remonter au plus haut niveau, parce que à Marseille, c'est quand même le foot. Bon, on peut pas s'imaginer qu'il meure à Marseille, mais ça te prend peut-être très longtemps, et peut-être qu'en effet, le train Tapie, il passe pas parce que toi, t'étais en quatrième division à essayer de remonter. Pour ceux qui sont intéressés, allez fouiller dans l'histoire de la création du Paris Saint-Germain. Vous allez voir, ça va être drôle. Tu prononces un mot qu'il ne faut pas prononcer dans cette émission. Ça va, ta réflexion. On rappelle qu'on a reçu Damien Dole, supporter du PSG. Damien Dole, supporter et c'était une très bonne émission. Voilà. Mais oui, ça, c'est justement le club coulé à l'époque. Et la mairie de Paris a fait enlever le nom Paris. Puis il y a eu Saint-Germain qui s'est rajouté. Puis il y a eu la scission avec le Matra Racing. C'est un gigantesque bordel. Avec le Paris Racing, pardon. Pour parler des acteurs de cette épopée, une question qu'on peut aussi se poser, et Mourad, tu vas nous éclairer là-dessus, c'est finalement comment expliquer et pourquoi finalement la majorité des joueurs de cette épopée n'a pas ensuite fait une grosse carrière professionnelle, à part Dimeco, peut-être à une ou deux exceptions près, mais pourquoi la plupart n'ont pas ensuite fait de grosses carrières ? Ah, c'est une question qu'on creuse pas mal dans le film, parce qu'en effet, on peut se demander pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Marc Pascal, qui était le buteur de l'OM, et franchement, sur les images d'archives, tu le vois, il est costaud, il est rapide, il a un bon sens du but, il va quand même à Bordeaux, qui est le plus gros club à l'époque, comme Jean-Charles d'ailleurs, qui vont tous les deux à Bordeaux. Mais la question, c'est aussi, on en revient un peu à la formation, c'est que tu as l'impression que ces mecs-là, ils étaient faits pour jouer à l'OM et pas ailleurs. Et en fait, on leur a dit non, non, dès que tu remontes, on leur dit non, il faut des stars. Et les mecs n'étaient pas forcément meilleurs qu'eux. Et donc voilà, c'est peut-être la raison, c'est qu'ils n'ont pas... en fait, ils étaient un petit peu comme les mecs qui sortaient de Nantes, on disait toujours... Mais... Le seul, entre guillemets, rescapé qu'on retrouve dans l'air tapis. Et encore, parce qu'il a été poussé vers la sortie plusieurs fois, Dimeco, parce qu'il s'est rattrapé, il s'est accroché à cette place. On ne lui a pas donné cette place, Eric Dimeco, il s'est accroché. Quand il part en prêt à Nancy, ou je ne sais pas où derrière, là, avant de revenir à l'OM, c'est Nancy son dernier prêt. Avant de revenir, Tapie n'est pas loin de vouloir le mettre de côté. Même quand il est à l'OM, qu'on est champion, et tout ça, début de saison 91-92, après la finale de Paris, il se blesse. Et Bernard Tapie dit, bon, ben on a Jean-Christophe Marquet qui est très bon, qui est plus jeune, donc on va pousser Eric vers la sortie. Eric, jusqu'au bout du bout, il s'est fait sa place. Hein. On ne lui a jamais donné. Je pense que c'est le fait d'avoir reculé qui lui a fait gagner du temps de jeu à l'OM. Parce qu'Eric, dans cette équipe des Minots, il était ailier. Alors, pour faire la genèse de cette équipe, donc, qui démarre, tu me corriges si je me trompe, Mourad, face à Grenoble, à domicile, lors de la 29e journée, dans une D2 à 18 clubs. Donc il y avait 34 journées. Et à deux groupes.
aussi. À deux groupes, donc voilà, encore très compliqué, les charmes des divisions inférieures françaises dans les années... Dans les années folles. Donc, qui démarrent par une victoire face à Grenoble et ils finissent en fait la saison en boulet de canon parce qu'ils font 6 matchs et ils sont invaincus. Voilà, et ils battent notamment Montpellier qui finit champion et qui monte en D1. Oui, voilà. Et le truc, c'est qu'ils devaient. C'était la victoire à 2 points aussi à l'époque et qu'il fallait que l'OM prenne minimum 3 points pour être certain de se sauver. Et en fait, ils en prennent, il me semble, donc ça fait ces 3 victoires et 3 nuls. Donc ça fait 6, 9. Donc ils font ça, ils multiplient par 3. Et puis surtout, ce qui est important pendant ces matchs, c'est que le public revient au stade, le public qui avait un peu déserté, qui était un peu déprimé, enfin qui était voilà en mode Prozac comme on l'était il y a pas si longtemps, ils reviennent et puis petit à petit ils se prennent d'affection et parce que j'écoutais, je sais pas si c'était votre dernier podcast ou celui d'avant sur la dépression dans le foot, et je pense que c'est ça qui manque aussi dans le football, c'est d'avoir envie de s'accrocher à une équipe, de croire en elle et de pousser derrière elle quoi qu'il arrive, parce que on parle de Florian Thauvin par exemple. Florian Thauvin, on n'a pas envie de pousser derrière lui parce que peut-être à tort, hein, parce que moi je pense vraiment qu'on est un peu trop dur avec lui, mais on n'a pas envie de pousser derrière lui parce qu'on se dit je sais pas, derrière dans son attitude tout ça, je me reconnais pas dans l'histoire du club actuellement, dans ce qui est écrit, ce qui est fait, ce qui était tout l'inverse de cette équipe, quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est que là c'était tout l'inverse, c'est que tu te disais mais putain, c'est des minots, c'est des Marseillais, ils sont là pour sauver le club et ils s'arrachent et ils perdent pas et il y a quand même un peu de talent parce que c'était pas que des bouchers, il y avait quand même quelques mecs qui savaient vraiment bien jouer au ballon dans cette équipe et voilà, c'est ça, c'était cette histoire et donc ces 6 matchs, il y a beaucoup de monde qui va même te dire les minots, c'est ces 6 matchs là, c'est la fin de saison, c'est on sauve le club, il y a rien que nous, rien que les minots. Et Roland Gransart qui était coach-entraîneur. Ça aussi, c'est un truc qu'on ne voit plus trop de nos jours. Voilà, entraîneur-joueur, ouais. Désolé. Coach-entraîneur, c'est un peu pareil. Ouais, ça non plus, on ne le voit pas toujours des fois. C'est une histoire différente. Mais voilà, entraîneur-joueur. Et voilà, il n'y avait que des minots. Et il y en a beaucoup qui te diront, les minots, c'est 6 derniers matchs et pas autre chose. Mais après, ça continue quand même. Idriss, tu voulais rebondir. Mais je voulais rebondir sur l'identification dont parle Mourad. C'est que moi, c'est important pour moi de dire, d'expliquer en fait notre passion pour le football au-delà du jeu. C'est que voir le 4-3-3, voir du tiki-taka et des contre-attaques en transition rapide, c'est très bien, je m'amuse bien. Mais ce qui fait notre amour de l'OM, c'est parce qu'on est Marseillais. Et parce qu'en grandissant, on a reconnu certaines valeurs dans cette équipe qui nous ont rappelé les valeurs humaines que l'on a en grandissant dans cette ville. C'est parce que ce club représente la ville. Et donc, on a ce besoin d'identification auquel on se rattache, qui permet de rationaliser notre passion pour ce sport et pour cette équipe. Et c'est exactement ce que dit Mourad, c'est que là, au début des années 80, tu as une équipe de Marseillais exclusivement, ou presque, parce qu'il y avait un ou deux joueurs qui n'étaient pas des minots, qui représentent cette ville et ce club, et qui va le sauver. Donc derrière, il y a même une dimension héroïque, au-delà de juste d'avoir une équipe de minots. Donc franchement, c'est pour ça que pour moi, c'est la page la plus importante de l'histoire du club, c'est parce que déjà, ce qu'elle arrive à faire sportivement, de sauver le club, et derrière de construire la suite qui va arriver dans les années 90, elle marque un point ultra important dans l'identité marseillaise au niveau du football. Azirama, je sais qu'on ne vous a pas entendu, que vous écoutez religieusement depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des remarques? Je vous envoie en profondeur. Je laisse Azir. Azir, je t'envoie en profondeur. Moi, j'ai une question par rapport à certains, dont Roland Gransart, dont vous avez parlé il y a quelques instants, qui se sont installés dans le club en tant qu'éducateur, en tant que recruteur pour le centre de formation. Roland Gransart a été entraîneur de la réserve, directeur du centre de formation de l'OM. Il est resté au club pendant très longtemps après. Ouais, pendant très longtemps. Est-ce que dans leur pratique professionnelle, par rapport au travail que tu as pu faire, que tu vas faire, etc., il y a cette... Il y avait cette volonté de leur part de transmettre ce qu'ils ont connu en tant que joueurs et qui ont sauvé le club en tant que joueurs issus du centre de formation en tant que Marseillais. Il y avait cette volonté de transmettre ça aux jeunes qu'ils avaient ensuite sur leur responsabilité en tant qu'éducateur ou responsable de la formation.
C'est une bonne question, mais en fait, de temps en temps, j'ai l'impression, enfin, ce que je vous disais tout à l'heure avec, avec Jean-Charles, c'est que tu lui dis, mais putain, c'est incroyable, vous avez fait ça, et puis, ouais, c'est normal, c'est genre, il est parti chercher le pain, quoi, et c'est ouais, c'est tout, on a fait ça, et donc, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, parce qu'on va encore faire beaucoup d'interviews, mais dans celles qu'on a fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas. Comment dire, qu'on ne leur a pas fait ressentir un énorme besoin de transmission, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas dit on a besoin que, oui, vous nous transmettez cette histoire, oui, vous nous transmettez cette histoire. Donc les mecs, en fait, ils ont juste fait leur boulot derrière, et ceux qui leur ont fait transmettre que cette histoire était importante, c'était ceux qui étaient dans les tribunes à l'époque et qui leur en parlent encore 40 ans après. Mais c'était incroyable ce que vous avez fait. Mais j'ai pas l'impression que professionnellement on ait beaucoup valorisé ce qu'ils ont fait. En fait, c'est ça. Donc en effet, je pense pas qu'ils ont utilisé ça, étant donné que, tu vois, si par exemple, si tu avais eu 25 émissions, si quand Grandsart était éducateur, tout le monde savait ce qu'étaient les minots, si les nouveaux minots, donc ceux qui étaient sous sa responsabilité au centre de formation, savaient ce que c'était, et ben peut-être qu'en effet, quand ils auraient vu Grandsart, ils se seraient dit, ah ouais, quand même, c'est le mec, c'était le coach des minots, etc. Donc il y aurait peut-être eu cette possibilité de transmettre tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on a dit bon, bah, c'est bien, vous l'avez fait, allez hop, maintenant vous dégagez et vous nous embêtez plus avec ça. C'est l'impression que j'ai, mais je me trompe peut-être, et c'est une très bonne question, Azir. Ama, tu avais une question aussi. Moi, j'avais une question, pas directement sur l'équipe des Minots, mais sur le processus de déchéance qui a mené justement à l'émergence de cette équipe. Quand l'OM est relégué en D2, l'OM nomme un très grand entraîneur qui s'appelle Albert Batteux, qui a été champion de France 8 fois, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions et 3e de Coupe du Monde avec la France. Et... comment ça se fait? Je ne sais pas si les protagonistes de l'époque t'en ont parlé, parce que je suppose que oui, parce que c'est quand même un très grand entraîneur. Comment ça se fait que ce mec, déjà, soit venu en D2, à la rescousse de l'OM, et surtout qu'il n'ait pas réussi? Alors, c'est parce qu'il était un peu en fin de carrière. C'est-à-dire que la dernière grande période glorieuse de Batteux, c'est Saint-Étienne, c'est avant Robert Herbin. Enfin, c'est quand même vraiment, c'est là où il enclenche la pompe un petit peu à titre pour Saint-Étienne, et en jouant bien, etc. Mais déjà, à l'époque, on lui dit qu'il n'insiste pas assez sur le physique. Mais c'est tout le foot français. C'est incroyable. Ah oui, déjà à cette époque. Ouais. Ouais, non, mais c'est énorme. Je vous conseille un excellent livre qui va sortir en septembre aux éditions, qui parle un petit peu de tout ça en détail, parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié. C'est-à-dire que voilà, déjà dans les années 70, on disait il y avait donc le grand Georges Boulogne qui était DTN depuis 20 ans ou un truc comme ça, et puis on disait voilà, il faut plus de physique, il faut plus de ça, et en fait Albert Batteux, on lui fait comprendre, ok, tes entraînements c'est trop gentil, oui, le football offensif, etc., c'est pas trop ça, donc il est un peu poussé vers la sortie. Robert Herbin reprend ce qu'a fait Batteux, mais en mettant un peu une touche de football total et de physique, parce que le football total c'était très physique, et puis il va à Grenoble ensuite, il me semble, Albert Batteux, et puis Albert Batteux en fait fonctionne un peu par amitié. Il me semble qu'il vient à l'OM déjà parce que l'OM c'est une place forte, donc ça permet aussi de rappeler à tout le monde qu'en 1980 l'OM c'est déjà l'un des plus grands clubs français. Ah oui, et en m'étant plongé dans les archives, les présentateurs télé, il y en a même certains qui disent sans doute le plus grand club de football français, parce que c'est déjà le recordman de titres en Coupe de France, etc. Et donc voilà, il vient déjà pour ça, pour l'attraction du club, de la ville, et puis voilà, ça doit sans doute être par amitié aussi, mais ça fonctionne plus parce que il est pas très écouté, on le respecte pas beaucoup, en fait on le traite un peu comme un fossile, quoi. 63 ans déjà à l'époque, hein. Ouais, mais le palmarès, moi je suis choqué d'entendre ça. En fait, oui, c'est l'un des plus grands entraîneurs de l'époque. Oui, mais à l'époque, il a déjà 63 ans quand il arrive à l'OM. Et je suis devant là. La première équipe entraînée, c'est en 51, c'est le Stade de Reims, où il est resté 14 ans. Et donc, du coup, en 81, ça fait déjà 30 ans qu'il entraîne. Donc, tu sais, en plus, au niveau social aussi en France, dans les années 80, il y avait ce truc du renouveau, il fallait un peu tourner la page.
de tout, tous les vieux là, tous ceux qui avaient profité des 30 Glorieuses pour s'affirmer et prendre des places, il fallait les faire sauter. C'est aussi à l'époque où Mitterrand arrive au pouvoir, bon bref. Mais du coup, voilà, c'est aussi une période comme ça où les jeunes prennent un peu plus de, s'affirment un peu plus et disent bon ben le vieux, voilà. Non mais vous savez aussi comment c'est à Marseille, parce qu'apparemment il est aussi un petit peu moqué de temps en temps. Enfin, il n'y a aucun respect quoi pour sa personne, et c'était un gentil, vraiment c'était quelqu'un de gentil, c'était un amoureux du foot. Et Amaïs a totalement raison de dire que c'est l'un des plus grands entraîneurs français. Oui, enfin, pour moi ça devrait être notre Johan Cruyff quoi. Albert Batteux, ça devrait être notre Johan Cruyff, parce que c'est un mec qui avait des idées sur le jeu, qui avait une idée de ce que devait être le jeu, de comment on devait le pratiquer, de ce que ça devait représenter pour le public. Sa manière de gérer les joueurs aussi, c'était très avant-gardiste. Mais lorsque tu arrives dans un club où les joueurs sont déjà de moindre qualité parce que tu descends en D2, où on n'est pas très sympa avec toi, où il y a des ricanements à gauche, à droite, et où en plus de ça, tous les 3 semaines, on te dit que tu vas tomber en liquidation judiciaire, bon, très rapidement, ça peut mal tourner. C'est ce qui s'est passé pour lui, en fait. Pour conclure avec toi, Mourad, 2 dernières questions. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sans trop trahir le documentaire? Est-ce qu'il va être à l'intérieur? Quel joueur vous avez eu de cette époque-là? Quels acteurs vous avez eu de cette époque-là? Sans trop en dire, hein, j'imagine que tu veux garder ça peut-être un peu secret. Non, là, on a déjà fait tous ceux qui sont dans le trailer, donc dans le teaser plutôt. Donc il y a, bien sûr, Jean-Charles, José Anigo, Éric Dimeco, Michel Floss et Roland Gransard, et tous les autres sont déjà... Jean-Charles a déjà pris contact avec eux, c'est... En fait, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que c'est vraiment des collègues au sens premier du truc quoi. C'est que Jean-Charles, il appelle quand il veut Christian Caminiti, et moi je raconte ça parce que je me dis bon, c'était quand même, tu vois, c'est quand même un mec qui était entraîneur encore au Red Star il y a pas très longtemps, qui a été formateur, qui a été capitaine de cette équipe, etc. Et une fois on a un invité qui nous fait faux bond, et Jean-Charles dit ah ça va, je vais appeler Christian, et il dit oh ça va, j'arrive. Et c'est à dire que en fait, au niveau des acteurs de cette époque, Jean-Charles, il prend son téléphone et il dit « Oh, bien sûr, ouais, ah, tu viens quand ?» Et puis après, il se voit et on a été voir Marcel De Falco, qui était un excellent joueur. Ça s'est terminé en séance de coup franc sur les buts à Montolivet. Donc, au niveau des acteurs, en ayant Jean-Charles, on a tous les acteurs. C'est un facilitateur. Jean-Charles est un facilitateur, oui, j'imagine bien. Ouais, j'imagine bien. On a une dernière question qui est beaucoup apparue dans le chat, donc je vais la poser, beaucoup l'ont demandé. Est-ce que tu as été contacté par l'OM par rapport à ce projet? On avait lu que Longoria avait contacté Éric Dimeco pour un sujet, un documentaire, enfin, on n'en avait pas trop su plus. Est-ce que tu as eu des échanges avec l'OM à ce sujet ou pas du tout? Non, absolument pas pour le moment. Après, je pense que s'ils doivent contacter quelqu'un, ils contacteront plutôt Ben que moi. Ils ont totalement raison. C'est plus lui qui va gérer ce genre de choses. Mais non, pour le moment, absolument pas. Après, on va se dire qu'ils ne sont pas en meilleurs termes avec certains de ces anciens joueurs. Il y en a quelques-uns qui ont été virés très récemment, par exemple Michel Floss. Donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais non, pour le moment, on a eu aucun contact. Après, peut-être qu'en effet, hein, si Longoria a un intérêt pour l'histoire, ce serait avec plaisir. Hein. Si qu'il nous contacte, on discutera de ça avec plaisir. Et puis en plus, il pourrait sans doute nous aider au niveau des images d'archives. Donc qu'il n'hésite surtout pas. Pablo. Voilà, si tu nous écoutes, Pablo, contacte Mourad et Benjamin. Ils seront ravis d'avoir de tes nouvelles. On est écoutés à l'OM. On a un ami au club qui m'a dit qu'il écoutait les émissions. Ouais, on te salue. Je ne sais pas qui tu es, mais on te salue. Le projet Mino, l'équipe Made in Marseille qui a sauvé l'OM. Est-ce que vous avez une date de sortie d'ailleurs, peut-être, Mourad, ou pas encore? J'imagine peut-être pas tout de suite. Non, pas encore, parce que là, voilà, on est encore en. Là, on est dans les archives après avoir fait l'amorce au niveau des interviews, de l'écriture. Donc, on planifie, on pense que ce sera plutôt pour l'automne, quoi, septembre-octobre.
D'accord. Donc vous avez déjà récolté quasiment 60% de la somme. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site ProArchi. On va vous partager le lien sur Twitter pour que vous puissiez contribuer à ce projet-là. Comme le dit Ama d'ailleurs, je sais qu'Ama tu le dis très souvent, vous ne pouvez plus aller au stade. Donc si vous voulez participer à la vie de l'OM, hein, de près ou de loin, n'hésitez pas à soutenir des projets comme celui-ci. Ouais, je l'ai fait avec plaisir, et comme j'ai fait avec plaisir aussi pour le film Gunnar, je me répète, de Benjamin Poté. Je suis très heureux de voir ce genre d'initiative lancée par des gars indépendants, vraiment. Moi, en plus, qui suis un fou d'histoire en général, je recommande, je n'ai pas l'occasion de le dire beaucoup dans d'autres émissions, parce qu'on parle d'autres choses, mais j'invite tout le monde à se jeter sur tout ce qui est écrit de la main d'Alain Pêcheral, qui est un historien de l'OM, un journaliste de la Marseillaise pendant très longtemps. Bref, il a fait plein d'autres choses. Il a passé sa vie à écrire sur l'OM, et tout ce qu'il a écrit, tout ce que vous devez savoir sur l'OM, vous le trouverez dans les écrits d'Alain Pêcheral, et aussi tous les jours chez Mario Albano dans la Provence. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir ce projet, on va le poster sur Twitter, n'hésitez vraiment pas, c'est un beau projet et qui met en valeur l'histoire de l'OM, et je pense que ça va valoir le coup. Merci Mourad, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir, et puis tu reviendras dans quelques mois pour ton bouquin. pas de soucis, bon, ça concernera pas exclusivement l'OM, mais ce sera avec plaisir, et en tout cas bravo à vous, parce que ça se développe bien, et c'est de plus en plus intéressant ce podcast, et puis après, en plus, c'est pas dérangeant que ce soit fait par des personnes que j'apprécie plutôt que des personnes que j'apprécie pas. Les fameuses courbettes dont on parlait hors émission. Voilà. on est comme ça dans le clan des voilà, déchets. Voilà, c'est ça, exactement. Donc n'hésitez pas aussi à aller rendre visite aux amis de Football Club de Marseille qui font un excellent surtout talk. Surtout quand ils m'invitent. Ou des éminents membres de cette émission comme Idriss ou Azir sont déjà apparus. Briller même, ça c'est un problème à l'animateur vedette de Passe ton ballon. Merci Mourad encore, et merci les gars, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut. Salut tout le monde. Passe ton ballon, on le met au fond. Passe ton ballon.